观众朋友，你们好，欢迎收看巴黎艺术节目。这期的节目，我们为朋友们准备了摄影艺术专辑。观众朋友，纵横摄影艺术界20多年的台湾摄影艺术家林秉存，在亚洲是声名显赫的摄影艺术大师。在亚洲，尤其是大中华圈，他是众多知名艺人指定合作的摄影艺术大家。比如萧敬腾、周杰伦、舒淇、刘嘉玲等等。林秉存在大中华圈有 MV 教父之称，他主要的摄影作品以唱片、人物写真为主，多次与台湾及美国举办摄影展，得到极大的关注，获得极高的评价。多年来，林秉存持守初心，坚持用底片拍摄到暗房洗片，全心全意地对待自己的每一件作品。在这个时代，当大家都在使用数码相机以及方便的修图软件的时候，他却选择坚守传统，采一颗匠心，以艺术家的视角，用心用镜头捕捉住每一个最精彩的瞬间，再把它定格成永恒，且让每一件作品都能呈现出它本身应该具有的独一无二的特色与美。一直是贵人，我常常在跟自己讲，我说啊，林秉存，你没有什么了不起，你的运气比人家好而已。 Folder 内有我林秉存。2009年，林秉存创立了一份艺术家时尚的名为 A Book 的线上杂志。这份杂志擅长运用视觉，透过影像创意与读者交流，一同分享这个让人新奇、惊喜不断的世界，提供来自世界各地有关摄影、电影、艺术以及时尚界等不同领域的流行资讯。Je présente au stand de la Galerie Le Long une série d'études de main que j'ai faite cette année, en 2017, qui est ma dernière série, ainsi que 3 portraits, un portrait que j'ai fait en Inde en 2003 et un autre portrait que j'ai fait également en Inde à Bélarès. La série sur la main, en fait, je prends les premières images que j'ai faites quand j'ai commencé la photographie il y a une trentaine d'années, c'était également des études de main et c'est un sujet récurrent que j'ai traité un peu dans tous les pays.
durant mes portraits de voyage ou durant mes voyages. Et là, cette année, j'avais décidé de me concentrer vraiment sur une série spécifique sur les mains. La main étant l'unique sens qui ne soit pas situé sur le visage. Moi qui ai une passion pour les portraits, qui suis portraitiste, la main a une symbolique particulière, c'est l'organe du toucher, de la sensualité. C'est également l'organe de l'identité, enfin, le lieu de l'identité de par les empreintes, le lieu du passé avec les lignes de la main. Plus le fait que c'est le langage des mains et un langage universel commun à toutes les cultures. Dans cette nouvelle série, j'ai réalisé une vingtaine d'images, certaines avec des symboliques, je pense assez claires, comme celle-ci, où il y a la main et le feu, la main et l'eau, ici il y a l'abandon, toujours avec le même modèle. Mon travail, il y a tout le travail de portrait sur les questions de l'identité, de l'altérité, le visage, un travail sur les nuits, un travail sur les végétaux. Je dirais ce travail sur les mains, bon, il a un pendant entre chaque main est aussi également identitaire, donc il y a un prolongement du travail de portrait et aussi il est à mi-chemin avec celui des nuits. Et je traite les mains un peu comme, de même manière que les végétaux, vraiment comme des portraits également. Chaque main est isolée du fond et éclairée pour elle-même. L'humain est au cœur du travail de la photographe Isabelle Chapuis. Ses créations conjuguent à la fois l'art et la mode, et elle a exposé déjà dans le monde entier, notamment en Chine et à Hong Kong. Elle a eu entre autres également le grand honneur de réaliser la conception et les photographies du Grand Musée du Parfum à Paris. Nous l'avons interviewée lors de son exposition au Château des Adhémars. Cette photographe, mais vous nous présentez là une installation complexe. Pouvez-vous nous expliquer cette installation et pourquoi vous avez choisi l'installation plutôt que la photographie dans cette exposition Matière à rêver ? Je suis photographe et dans cette exposition Matière à rêver, j'ai eu envie de donner une dimension d'installation à cette photographie. Qui est donc inspirée de la marquise Luisa Cassati, qui était un personnage extrêmement intriguant et avec un très grand charisme. C'est une femme qui, de son temps, a inspiré énormément de peintres, d'auteurs. Elle a été sujet justement à être la muse de nombreux artistes. Et elle m'a à mon tour fascinée et donné envie de travailler autour de sa personnalité en partant d'une peinture de Giovanni Bodini qui l'a représentée d'une façon très monochromatique avec un traité qui est propre à son style avec une écriture très dynamique qui lie la robe avec le fond. Et c'est dans cette même intention de procédé pictural que j'ai demandé à la créatrice Aurélia Maori de réaliser une très grande étoffe sur laquelle a été cousue une robe à la main qui émerge de ce très grand tissu. Et cette série est en trois parties, c'est donc un triptyque. Au fur et à mesure, sa robe, elle sort de sa robe, elle
apparaît dénudée. Donc cette photo est la troisième partie de ce triptyque. Et elle représente quelque part aussi la fin de sa vie. C'est donc quelqu'un qui a vécu dans le faste et au fur et à mesure, elle a dilapidé sa fortune. Mais à la fin de sa vie, elle s'est donc retrouvée démunie. Et cette image représente cette étape où on ne sait pas si elle est engloutie ou si elle émerge de ce très grand mouvement de tissu. Et la dimension de mise en scène qui a été pensée au moment de la photographie m'a donné envie de traduire cette photo dans l'espace avec une mise en scène, une installation au-delà d'un simple accrochage photographique. Déjà, le grand format s'imposait par rapport à la taille de l'espace, le château des Ademars étant un environnement vaste. Au-delà de la taille, j'ai eu envie de travailler avec un grand bassin d'eau qui reflète l'image de la Cassati en écho au mythe de Narcisse qui était éperdument amoureux de sa propre image. La marquise, pour moi, est en lien avec ce mythe dans le sens où elle était extrêmement charismatique et avait sûrement un rapport avec son image qui était très fort, étant donné qu'elle a aimé se faire représenter par énormément d'artistes de son temps. Pouvez-vous nous parler de cette création sonore? J'ai vraiment eu envie d'intégrer une création sonore avec cette installation pour justement donner encore plus de force à la matière de l'eau qui est donc présente dans le bassin et qui crée ce reflet. Cette bande sonore a été créée par Guillaume Nicolas, qui est compositeur, et donc, il a utilisé principalement des bruits d'eau, et ces bruits d'eau donnent le rythme, c'est-à-dire qu'il y a une petite goutte qui vient trotter en quelque sorte dans la musique et donner une rythmique. Vous avez repris ici la possibilité du reflet, du miroir. Quel lien avez-vous fait entre la pièce de la Cassati et puis cette installation? J'ai souhaité travailler sur le thème du reflet dans cette série intitulée L'éloge du détail. Ce grand miroir est positionné en face d'un très grand plan de matière et j'avais envie qu'en regardant ce miroir, le spectateur puisse vivre quelque chose d'assez immersif en étant lui-même plongé dans la matière. Ensuite, chacun a sa propre interprétation face à un reflet et le fait de se regarder amène énormément d'interprétations possibles. Tout à l'heure, quelqu'un m'a exprimé le fait qu'il s'est vu différemment, étant donné que toute la série porte sur son rapport à la peau, à la pilosité, aux cheveux, aux taches, à la carnation. Il s'est regardé en faisant très attention à ces détails-là et il m'a dit qu'il s'est trouvé sublimé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il m'a aussi parlé du rapport avec l'Isobie des Merveilles, une sorte de mise en abîme à travers le miroir. J'aime que, effectivement, l'interprétation aille au-delà de ce que moi-même j'ai pu imaginer.
Le studio Marlot Chopard est composé du couple de photographes Rémi Marlot et Ariane Chopard. Depuis 20 ans, ils livrent un travail exceptionnel de chercheurs d'émotions. Artvision les a rencontrés dans leur atelier parisien. On se disait que finalement la question du rêve était très importante. Arriver à décoller la question du visible, c'est-à-dire qu'on se promène, on s'arrête, on regarde, on fait une photographie. Et cette photographie de ce visible, il faut qu'elle arrive à dépasser la question de la représentation. Il faut qu'elle arrive à nous emmener vers d'autres choses qui sont, je parlais du rêve, mais cette idée de peut-être de l'innocence ou de retrouver des sensations très, très instinctives, être un peu comme des animaux qui se confrontent à de la nouveauté, voilà, qui manifestent leur joie. Ouais, en revanche, on essaie de projeter une émotion qu'on a, nous, au moment où on fait la photographie, on va la faire parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous touche en rapport avec notre passé. Enfin, toi, tu parlais de ça. Il y a des questions qui reviennent systématiquement, la question du temps. Je parle de la question de la mort qui est très présente aussi en filigrane dans notre travail. Des choses comme ça qui sont pas immédiatement visibles dans l'image quand on la regarde au premier abord, mais qui finalement s'imposent par des voies détournées. Je crois qu'on est toujours sur un décalage, en fait. D'un coup, les petites choses, l'arrière d'un jardin, l'arrière d'un hôtel, le côté d'une plage, on découvre finalement ce qu'il y a de la patine, ce qu'il y a de l'usure, ce qu'il y a vécu. Et cette question de vécu de patine, elle est importante dans notre travail parce que on se rapproche assez souvent de la peinture, la question du glacis, de la composition, cette précision à la fois de la composition dans une peinture mais dans une photographie, de cette composition, cette description au scalpel qu'on fait du visible, elle permet de récupérer cette histoire de la beauté, hein, des petites choses, la lumière sur les choses. Hein. Bien souvent, c'est la lumière qui fabrique les endroits qu'on regarde. Ça peut être un tronc d'arbre, une Vespa derrière une grille, avec la mer derrière. Tout d'un coup, on est beaucoup dans cette idée de l'exotisme, du fantasme, du déplacement des territoires. À Nice, on regarde effectivement la végétation, mais on peut se projeter aux États-Unis, on peut se projeter en Italie, on peut se projeter dans différents endroits. Et c'est cette capacité de projection de la photographie qui nous intéresse. Pas de représenter ce qui est visible. Le hors-champ est aussi important, les odeurs, et tout ça doit être assez fort dans les photographies qu'on récolte pour être incluse dans un travail photographique. Je crois que c'est la poésie des choses qui nous intéresse à travers aussi les matières, les textures, ces choses-là qui nous plaisaient aussi, notamment en peinture. La couleur aussi est quelque chose qui va nous attirer. Et nous, on travaille sans a priori, sans avoir un projet défini. Au départ, on ne sait pas ce qu'on va croiser, rencontrer. Ce qu'on cherche n'est pas nécessairement visible, mais doit être rendu visible à travers nos photographies. Il ne s'agit pas de décrire un lieu, mais d'aller dans cette recherche, je pense qu'il y a assez poétique de la matière, du vivant à travers le paysage, parce que ce qui nous intéresse, c'est la petite plante qui pousse, la mousse, toutes ces petites choses qui ne devraient pas forcément être là, auxquelles on ne prête pas forcément attention et qui tout d'un coup prennent une dimension, je crois, poétique pour nous. Ce qui nous intéresse, au fond, tu disais la petite plante, c'est la fragilité de la vie. Alors, on n'est pas sur des choses qui sont stables, on n'est pas sur des choses qui sont... le bâti s'écroule, tout se fissure, on est sur cette fragilité des lieux qu'on rencontre, qui ressemblent aussi aux êtres qui les ont construits. On est dans une évolution de la vie, et ce qui nous intéresse, c'est ce qui est un petit peu accidenté, ce qui est un peu bosselé, ce qui est de l'ordre du passé.
voilà, la, ce mélange, cet équilibre difficile de la vie, voilà, c'est très beau à un moment donné, c'est tout neuf, et puis ça commence à tout simplement à vivre, à se dégrader comme. Moi, je trouve qu'un objet devient intéressant quand il perd sa fonction, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'esthétique de la ruine, dans la mesure où l'objet va nous intéresser parce qu'il perd, il a perdu sa raison d'être, et tout d'un coup, il devient un pur objet esthétique aussi. Je crois que c'est ça qui nous attire dans beaucoup d'endroits. Alors, c'est vrai qu'il y a ce rapport à la nature qui est très intimiste, hein, et qui est très personnel, et dont on espère que, voilà, que c'est quelque chose qui passe et qui est donné au spectateur. C'est ça qu'on essaie de donner, en fait, hein, c'est cette relation au vivant, à la fragilité, à toutes ces petites choses, oui, à l'intimité. Oui. Ce qui fait que, enfin, je sais pas, qu'on arrive à dessiner un monde où on a envie de vivre aussi, hein, c'est un peu ça aussi, je crois, un des buts, une des raisons pour lesquelles on fait ce métier, c'est aussi pour se dessiner un monde dans lequel on peut vivre heureux, peut-être. Oui, ou en tout cas avoir des fragments comme ça qui nous permettent de se projeter ailleurs, dans un autre temps, sans vouloir renoncer à celui dans lequel on vit, hein, c'est pas pour le fuir, mais c'est tout d'un coup pour ouvrir des boîtes qui sont aujourd'hui, je pense, complètement fermées. Cette question de l'imaginaire, elle est complètement bridée, de pouvoir se projeter ailleurs, cette volonté d'avancer, voilà, et elle est importante aujourd'hui en donnant des images ou des fragments de lieux, hein, dans lesquels il va pouvoir se passer quelque chose. Cette possibilité de projection est importante.纽约的现代艺术博物馆每两年举办一次新的摄影展系列。近期的摄影艺术展，观赏者会欣赏到艺术家们引人注目的创意。今年的作品主题是存在，摄影艺术家们用镜头捕捉、表达、呈现他们眼中的人类社会。新摄影是博物馆的当代计划的关键部分。自1985年以来，该系列由来自世界各地的100多位艺术家推出了新作品。开展日期5月29号。巴黎的埃里塞宫博物馆将为已故的、曾长期居住在瑞士的法国摄影艺术大师 Jacques-Henri Natick 举办作品展。这次展览将展出艺术家从未展出过、充满了色彩的摄影艺术品。展览日期5月30号到9月23号。1968年是一个具有历史意义的年代。新的时代载着人的梦想开始，而另一个时代结束。那些已经离我们远去的艺术大家们用照片、绘画和海报将这些旧事、旧物、旧时光铸成了永恒。法国的 Aigua 画廊于近期开办具有浓郁怀旧情怀的展览，展出那个时代的艺术大师的作品。开展日期5月16号直到6月2号。Magnum Photo 与富士胶片合作，围绕人类这个创作主题，探索记录21世纪的人类社会。该机构的16名摄影师以情感、生态、文化和社会观念为主题进行拍摄，从中选出200张从未发表过的照片举办环球展。
这次环球展将在五月到九月间在伦敦、东京、科隆、意大利和中国驻足。这期的节目到这儿就结束了，我们下次再见。